What's up, Mané? Bienvenue sur la chaîne, bro. Tu connais. Aujourd'hui, Mané, l'heure est grave, grave. L'heure est grave. Parce que là, on a joué 6 matchs. On a fait 2 victoires, 3 défaites, 1 match nul. Et l'objectif, c'était de monter en division 4. Et là, on n'a que 7 points, Mané. Du coup, là, Mané, là, on va déjà. Là. Le maintien là, c'est impératif là, le maintien. Là, il faut l'avoir là, aujourd'hui. Et ensuite, on jouera la montée. Parce que là, je parlais de montée, mais là, l'heure est très grave. L'heure est vraiment très grave. Du coup là, on y va, Mané. Dans la précédente vidéo, je m'étais mis en mode énervé et j'avais pris 4-0. Là, on va se remettre en mode énervé aujourd'hui. Et là, il n'y a rien qui va se passer là. Là, on est déter. En mode énervé, Mané, tu connais. Allez, go. J'ai envie de changer d'équipe, hein. Parce que là, avec le Barça, là, ça commence à être compliqué, quoi. Mais là, allez, go. Là, on s'en fout de qui on va croiser, là. On gagne. On s'en bat les couilles. Là, on s'en fout. On gagne aujourd'hui. Oh, ça va être chaud. Ah, je le sens là. Là, j'ai le stress de ouf. Bonjour à tous. Nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce stade magnifique qui est l'antre du FC Barcelone. On ne change pas l'équipe qui gagne, bien sûr. Hervé Mathieu et Pierre Ménès pour vous commenter ce match. Je rappelle, c'est la possibilité pour cette équipe de sortir définitivement de la zone dangereuse, de sauver sa peau. Le Barça contre Tottenham. Ouais, une équipe qui se débat depuis un petit moment pour garder sa place dans cette division. Dans le précédent match, ici, ça tient. J'avais croisé un gars qui était super chaud, j'avais même pas tiré un tir. Genre, je m'étais créé aucune occasion, mais là. On va hausser le niveau là. Faut qu'on hausse le niveau aujourd'hui là. Allez. Lionel Messi. Il tacle. C'est sprint de pète de balle comme ça là. Comment ouais, bien, ils ont bien pressé. Ils sont allés chercher ce même, ballon. On a la balle et tout. Ça bug, j'aime pas là. Ça bug. Donc Sergio Roberto. Avec De Jong. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Maurice qui a repoussé, attention, c'est pas terminé. Sergio Roberto. Il y a faute. Ah ouais. Il y a déjà une faute. Là, j'ai le cœur qui bat, les gars. Je vous jure, j'ai le cœur qui bat. Je sais pas pourquoi. Là, il y a 0-0, mais j'ai le cœur qui bat. J'ai un mauvais pressentiment. Mais vraiment. J'ai vraiment un mauvais pressentiment, par contre. Allez, go. On va le jouer court. Et le joue à deux. Ousmane Dembélé. Le ballon qui a été contré. Pour le moment là, on a la balle et tout, ça va. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Ah ouais, mais là c'est mort. Nouveau dégagement, mal fait. On a encore la balle. Akin Yang. Là ça commence à devenir. Ah là j'ai peur là. Ah j'ai peur. Deux joueurs semblent avoir les qualités pour faire la différence dans ce match. On peut le dire, Hervé, avoir ces deux joueurs sur le terrain, ça donne vraiment envie de commenter. Mais c'est quoi? Pourquoi il est passé à travers? C'est quoi ça? Il faut le mettre celui-là. Mais non, si, oh, mais, là c'est marqué et je crois que j'ai taillé la console. Dans le camp adverse. Mais c'est quoi ça? Comme les joueurs passent à travers, c'est le statu quo, les deux équipes sont toujours égales. Il allait marquer comme ça lui. On allait se faire voler comme ça d'entrée. Mais il joue, il fait quoi là? Tout ça pour ça? Qui est vraiment mal joué, qui est rendu à l'adversaire. Ah, mais il a passé. Ah, il s'est un peu précipité là. Pierre-Emile Rüschberg. Ouais, lumineuse cette passe. Mais non, trop appuyé ce centre, il est passé au-dessus de tout le monde. Oh, il dégage, mais non! C'est sorti. Voilà, ce sera en faveur de Tottenham. Pierre-Emile Rüschberg. Heung-Min Son. En fait,
Je glisse quand je suis devant. Tire. Et Ter Stegen qui peut capter ce ballon. Allez là, on va lancer. Mais c'est quoi ça? Ah oh, ouais. Ah j'allais. Roberto. En fait, faut que je me calme en fait. Je suis trop excité là. Busquets. Faut que je me calme. C'est bon les gars, on se calme. Là c'est bon, on parle plus. Lionel Messi. Ah oui, le bon ballon donné par Léo Messi. Il peut poursuivre son action. Messi. Mais non, je... éloigne le danger, mais non, ça joue. Il bloque finalement ce ballon en deux temps. D'abord un arrêt exceptionnel. Et puis finalement derrière une prise de balle plus tranquille. Ouais, mais c'est l'arrêt exceptionnel qui fait que la prise de balle est tranquille. Contre-attaque peut-être. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il a raté? Mais qu'est-ce qu'il a raté, Pierre? Quel manque de conviction dans le dernier geste. Oui, c'est n'importe quoi ce qu'il a fait là. Le gardien ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi facile. Sergio Roberto. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Sergio Busquets. Griezmann. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse, qu'il prend le temps. Là, vous la tirez, là. Tiens, De Jong, tiens. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Delali. Non, mais non, là. On s'approche du but. L'occasion de prendre l'avantage. Mais non. Ouais, c'est compliqué, ce but encaissé là. Ah ouais, là ça a déjà compliqué. Les espoirs là. De maintien sont toujours là. Oh, je suis devenu nul ou quoi? Je comprends je pas en fait. Pour aujourd'hui en tout cas, ça va être cuit. Ah, oui, surtout Hervé, qu'on peut douter de leur capacité à marquer deux buts. Hein. Ah ouais. En revanche, on les sent quand même. Ça devient très compliqué, les gars. Ça devient très compliqué. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Con el 7, son. Ah ouais. En fait, j'aime bien jouer sur la pression. Quand j'ai la pression, quand je suis mis au score, là, c'est bon. Là, je peux me lâcher, là, en fait. Young. Parce que là... Sergio Roberto. Ousmane Dembélé. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Sergio Roberto. Encore Busquets. Busquets qui poursuit. Non, là, je vais essayer de trouver une ouverture. Là. Allez, une deux à Griezmann. Antoine Griezmann. Messi, t'es où là? Vas-y, Messi. T'es prêt? Ouais. Avec Busquets. Ah oh, ouais, non. Harry Kane. Allez, peut-être l'amorce en fait, comment je joue, on va voir. Je fais fumer, en fait, parce que là... Attention, ça peut faire but. Oh oui, magnifique intervention de Ter Stegen. Il a vraiment bien joué le coup, le gardien. En fait, je garde trop la balle devant sa zone, en fait. Faut que j'arrête ça. Il n'a pas vraiment cherché la surface là, sur ce corner. La balle, on compte, ça va c'est trop vite devant. Ce sera une touche. Tanguy Ndombele. Et oui, comme d'hab, c'est le Barça qui monopolise un peu le ballon. Ça ne veut pas dire que cette équipe est dangereuse dans le camp adverse. Si chaque action soldée par une occasion nette, elle ne serait peut-être pas menée à la marque. Pjanic, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann. Il cherche une solution. Le centre en retrait. Oh ouais. C'est contré par Alderweireld. Frenkie de Jong. Griezmann. À nouveau contré, bien défendu. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Une balle la poule gars. Ouais. Grâce à l'égalisation. Ouais, les gars, là, il peut valoir très cher ce but. Ouais, ces joueurs ne sont pas encore sauvés. Les gars, là, c'est moi, je crois, il y a moins de gagner. C'est moi, je suis. C'est n'importe quoi aujourd'hui, on le rappelle. Là, c'est le métier. Ils égalisent donc un but partout. Bergvist. Mais c'est quoi ça? Mais non! Ah, ce ballon mais non. Qui vient tromper le gardien! Mais joueur, il glisse, en fait, je comprends pas! À l'engagement comme ça! Mais comment j'aime pas ça, à l'engagement? C'est malade ça! Mais c'est, ça me fout les morts! Ah, je déteste ça! Pjanic. Je sais pas, mais jouer, j'attaque la balle. Il y aura une minute seulement de temps additionnel. Moi, si on va marquer à l'engagement, il ne faut pas.
Il a tu crois que quoi, mon gars réalisé. Non. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Bon, ouais. Quoi, ça joue ouais. Pas grand-chose. Ah ouais, on a égalisé. Hein, voilà, on prend un but direct après. Ah ouais. Là, c'est pas possible. Là, ce match, on le perd pas, les gars. Le début de la seconde période. Je vous rappelle que c'est Tottenham qui mène au score. Avec Minson. Ah, mais non, j'ai pas anticipé. Il a pas passé, il est passé. Dele Alli. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Avec Kane qui perd ce ballon sans raison, il faut bien le dire. Ouais, il essaye en louche un petit peu. Allez, dans le couloir. Croise l'appel. C'est mort. Une, deux. Ici. Attention, Léo Messi. Non, j'arrive pas à me retourner. Il a sauvé Messi, son corps, sur cette action. Qu'est-ce que tu dirais des 45 premières minutes? Oh, il est passé, il y a danger. Oh, il perd son duel. Heureusement, le mec devant à droite, devant les buts, il est pas à droite. Il y a le temps de s'appliquer, mais il a paniqué. Ah ouais, sur les contres, mais c'est abusé, comment ça va vite. Lionel Messi. Oh oui, encore une bonne passe. Elle passe. Là, ça joue pas mal, ça circule, ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser. Harry Kane. Un ballon qui est donné en profondeur. Mais non. C'est magnifiquement détendu là-dessus. Là. Wow. Le corner qui est joué en deux temps. Le centre pour Harry Kane. C'est manqué, cette tête qui n'est pas cadrée. Là, et déjà, il a été aussi galise et tout. Non, il a été bien marqué. La défense ne s'est pas fait surprendre. Ah, bien servi hein, sur le côté Griezmann. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. L'appel de balle et la passe en profondeur. C'est pour le gardien ce ballon. Allez sortir, bien joué. Antoine Griezmann. Léo Messi. Ballon repris par Tottenham. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Steven Bergwijn. Très bon jaillissement du gardien. Un ballon qu'il est allé chercher dans les pieds. Piqué. Sergio Roberto. Léo Messi. Oh. Antoine Griezmann qui continue. Ousmane Dembélé. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. On va pas chercher vraiment le point de pénalty sur ce corner. Hakim de Jong. Avec Busquets. Frappe contrée par Alder Vereld. Perdu par le Barça. Non. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Vas-y, Messi. Messi bat le pied. Vas-y. Oh, il est passé. Il va pouvoir marquer. Mais non. Ouais, il repousse. Ça joue. Mais non. Messi. Le score est défavorable pour le Barça, mais la confiance revient, y compris chez les supporters. Non, c'est pas possible, il reste pas beaucoup de temps. On s'est créé des occasions dans ce match, on s'est créé des occasions. Harry Kane. Voilà, je regarde le temps là. Dele Alli. Ils construisent, ils font tourner. Tanguy Ndombele. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Ok, il faut avancer, il faut aller de l'avant. Là, les Griezmann. Vache. Ils monopolisent bien le ballon depuis un bon quart d'heure, les joueurs de Barcelone. On sent une équipe très motivée qui fait tout ce qu'il faut pour égaliser, en tout cas. Mais attention quand même, hein, les minutes défilent vite.
Ah, c'est contré. Non, il mais non. Messi. Une balle d'égalisation. Non. Ce qui a repoussé. Attention, c'est pas terminé. Oh, elle sort en plus là. Oh, mais là, j'abuse là. J'abuse. Les joueurs sont toujours menés au score. Évidemment, le public du Libertador va tout faire pour aider ses joueurs à renverser la vapeur et au moins à égaliser. Ouais, il faut au moins égaliser, les gars. Oui, c'est peut-être l'une des dernières occasions hein, pour eux dans ce match. Ils vont tenter d'aller chercher cette égalisation. Tanguy Ndombele. Toujours ce résultat défavorable pour cette équipe, Pierre. Ils pouvaient se sauver aujourd'hui. Ah, ce match là, c'est pas ouais, et même le match nul d'ailleurs, hein, c'est pas encore fichu pour eux, mais la pression va être énorme sur le prochain match. Ah, ce match là, par contre, j'ai très mal joué. Dele Alli. En plus, on prend le but à l'engagement très là. Bien vraiment chez les Spurs en ce moment. Là, il faut égaliser au moins, les gars, faut au moins égaliser. Lionel Messi. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ah, ils n'ont plus le choix. Hein. Ils doivent marquer sur cette action. Ou sinon jamais. Ah, il redonne à Griezmann. Le Messi. Oh, ouais, très beau geste ouais. défensif. Et le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Ah les gars, on a perdu le match. Hein. Oh, on l'a perdu bêtement. Allez, il va marquer. Ouais, et le but de l'égalisation. Barcelone qui revient en hauteur sur l'adversaire. Ah, je suis mort de ouf là. Ah, le mec il est con, quoi. Ah, mais c'est dégueulasse ce qui s'est passé là. Ah mais là je suis là je suis mort le mec il doit avoir les morts mais plus que moi en fait. Ah décidément dans ce match personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Ah ouais. Et on va jouer 2 minutes de plus. C'est parce qu'il trouve un on peut gagner le match les gars. Allez on peut le gagner en plus. Allez Dembélé. Allez. Ah, pourquoi ça bug? Non. On est dans le money time, hein. Le match se joue maintenant. Allez, dernière position de balle, les gars. Il faut qu'il centre. Dernière position, là. Allez là, allez. Oui, là, aussi, ouais. Allez, il faut le mettre celui-là. Ouais. Ah, c'est un but très précieux qui les sort enfin de la zone de relégation, Pierre. Ouais, il est hyper important ce but et la suite du match est très intéressante. Là je suis mort de ouf. Ah ouais. Allez, ça fait 3 buts maintenant pour lui. Ah, d'un point de vue personnel, c'est évidemment magnifique mort, ce qu'il est en train de réaliser. Je suis mort de ouf. Ah, je suis mort. On va gagner le match comme ça. Mais voilà, je suis mort. C'est terminé à l'instant même. Les joueurs qui vont prendre donc les 3 points aujourd'hui et qui assurent définitivement leur maintien. Ah, je vous jure, le mec, on les reverra bien aller au mort même de niveau ouf. La saison prochaine. Ouais, une saison pas simple du tout. Allez, les gars. Là, manifestement, les planètes étaient... Il nous faut 2 victoires, il nous reste 3 matchs, il nous faut 2 victoires pour monter. Mais là, les gars, là, je suis mort. Hein. Je suis vraiment mort de ouf, là. Et le mec... En tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu mets un petit like, tu t'abonnes et... Prends soin de toi et reste toujours positif dans la tête. Allez, peace!